Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue sur Émergence Télévision et à cette nouvelle édition de votre émission Jeune Entrepreneur. Nous recevons ce soir un expert en communication des organisations. Il est également promoteur des Renaissance Music Awards, animateur radio et télé, sans oublier enseignant en communication, avec qui on parlera de l'importance de la communication dans les jeunes entreprises et start-up. Mais bien avant de le recevoir, je vais rappeler que je suis accompagné de Serge Mbembe. Bonsoir Serge. Bonsoir Yannick Achille et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Comme le rendez-vous habituel, toujours même heure, même jour, où nous serons toujours là pour partager encore l'expérience de tous les jeunes entrepreneurs pour inspirer les téléspectateurs. Je rappelais entre autres qu'on parlera de l'importance de la communication pour les jeunes entreprises et start-up. Toi qui es professionnel dans ce domaine-là, quelle est la vision que tu as de manière panoramique? De manière panoramique, j'allais dire, il y a un manque de communication déjà au niveau des jeunes entreprises. Je ne sais pas, comme l'expert, elle a peut-être va nous donner la raison pour laquelle les jeunes entreprises ne communiquent pas assez. Peut-être question moyens financiers ou alors peut-être par le simple fait qu'ils ne sont pas au courant de l'évolution ou de l'importance de la communication. Voilà. Avant de recevoir notre expert, madame, monsieur, le temps pour nous de prendre une légère respiration et on revient juste après. Tout sur ce plateau, notre invité ce soir s'appelle Jérémy Lafortune Fequeux. Je le rappelais tantôt, il est expert en communication des organisations, également promoteur des Renaissance Music Awards. Bonsoir, monsieur Fequeux. Bonsoir à toi, Achille. Bonsoir, Serge Mwembe. Bonsoir aux nombreuses téléspectatrices et téléspectateurs qui font confiance à cette émission qui est un véritable pôle d'excellence en matière d'émissions télédiffusées au Cameroun. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Jérémy Fequeux, la fortune. Qui est Jérémy Fequeux? Bon, c'est difficile de parler de soi. Je pense que vous avez tout dit. Je préfère m'arrêter ainsi. Voilà. Et il faut rappeler que vous êtes expert, je le disais tantôt, en communication des organisations. Il s'agit de quoi exactement? Bon, qu'un expert en communication des organisations, c'est quelqu'un qui a fait des très longues études dans le domaine de la communication au supérieur, parce que je suis doctorant en sciences de l'information et de la communication. J'ai par ailleurs eu un BTS en communication d'entreprise, une licence professionnelle en publicité, un master 1 et 2 en communication des organisations et par ailleurs, j'ai contribué grandement à l'évolution des entreprises sur le plan communicationnel avec le cas de Techno Cameroun et bien d'autres initiatives dont je trouve pas nécessaire de peur qu'on pense que ce soit une grandiloquence, m'arrêter ici. Je ne pense pas que ce soit important de tout signaler ici. Avant que Serge peut-être ne prenne la parole, promoteur des Renaissance Music Awards, il s'agit de quoi? Alors, les Renaissance Music Awards, c'est un événement qui vise à revaloriser l'éthique dans la musique camerounaise en récompensant les artistes musiciens qui s'efforcent dans l'écriture musicale de diffuser des messages édifiants. Donc, c'est une cérémonie de récompense des awards et je pense que c'est l'une des plus grandes au Cameroun de plus en plus. Il y a quelques jours, quelques semaines, je voudrais dire, on était à la quatrième édition des Renaissance Music Awards et c'est l'occasion de remercier la CRTV qui nous accorde du crédit en diffusant cet événement de qualité supérieure sur un piédestal en cristal. Merci. Sèche. Oui, c'est vrai. La page est RM, on va l'ouvrir encore après, mais j'ai une préoccupation. Jérémy Fequeux la fortune, dans mes multiples recherches, j'ai vu que vous nous apprêtez un ouvrage basé sur la communication événementielle. Qu'en est-il? Oui, justement, je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle « Pratique de la communication événementielle ». Donc, c'est un ouvrage qui va donner la possibilité à tous ceux qui voudraient de façon autodidacte se lancer dans le domaine de la communication, de se référer à cet ouvrage. Parce que la communication, quand on regarde, c'est un domaine très vaste. Et il y a beaucoup d'apprendre, il y a beaucoup qui s'y lancent véritablement sans maîtriser ce que c'est que la communication.
communication. Et la communication, au-delà de tout ce qu'on peut penser, peut-être les gens pensent que la communication, c'est seulement se limiter à prendre un micro et parler. Non, parce qu'il y a tellement de choses. C'est pourquoi je préfère qu'on dise pas communicateur des organismes, qu'on dise communicologue. Un communicologue, c'est celui qui a fait des études en communication. Et un communicateur, tout homme est communicateur, même les plantes communiquent. Donc, c'est déjà important de lever cet équivoque. Donc, en fait, cet ouvrage, justement, c'est pour ceux qui, peut-être, n'ont pas eu la chance de faire des études en communication et qui sont intéressés par ce métier, surtout l'événementiel, de s'abreuver un tout petit peu à travers... Non seulement mon expérience, mais l'expérience des personnes qui sont encore un peu plus que moi. Déjà, c'est un livre qui, certainement, c'est vrai, honnête, mon emploi est extrêmement chargé. Je me dis quand même que probablement d'ici 2019, cet ouvrage sera à la disposition des téléspectatrices et téléspectateurs, du moins de tous ceux qui voudraient bien maîtriser ce que c'est que la communication événementielle de façon pratique. Voilà, c'est vraiment une aubaine d'avoir... tout un ouvrage sur la communication événementielle, parce qu'on se rend compte que cela prend de plus en plus de l'ampleur en contexte camerounais. Mm-hmm. Je vais maintenant revenir sur la page RMA, comme vous êtes promoteur des Renaissance Music Awards. J'ai une question pour nos téléspectateurs et téléspectatrices. Comment avez-vous fait pour entrer en possession des fonds pour d'abord lancer la première édition? Déjà, bon, c'est vrai que j'étais salarié. J'étais salarié, bon, c'est vrai, en étant salarié, je n'avais pas aussi, c'était pas un salaire aussi important, parce que connaissant les Renaissance Music Awards, c'est un événement qui en termes de coût, vaut vraiment beaucoup le coup. Voilà, donc la première édition, bon, déjà je suis un présentateur des cérémonies, je présente tellement de cérémonies, donc il y a les frais des prestations de scène. Il y a eu des salaires où je travaillais chez mon ancien employeur. Donc, c'est la combinaison de tout ça qui m'a permis autant pour moi de réaliser la première édition des RMA. C'est vrai que ça n'avait pas été très évident. Il a fallu s'armer d'une bonne dose supplémentaire de volonté et de courage, parce que pour la première édition, on avait fait un coup d'essai, vraiment coup de maître. La CRTV avait diffusé. Je pense que vous, qui êtes mes cadets, et mes filleuls, vous avez été là à la première édition. Ça a ressemblé quand même à quelque chose de vendable. Et déjà, avant que Yannick ne reprenne, quand vous parlez d'association de toutes vos prestations et vos salaires, ça n'a pas été un dû sacrifice, puisque je sais que tout homme a parfois des besoins aussi... quotidien. Justement, ça a été d'énormes sacrifices. Il fallait se priver de certains loisirs pour parvenir à réaliser ce projet. Et je suis très content de savoir que le projet a évolué jusqu'à 4 éditions. Et très, très bientôt, certainement, les téléspectateurs auront l'occasion de regarder ça sur la chaîne Sœur, CRTV Télé. Donc, ça a été vraiment... Même jusqu'à présent, on continue de faire des sacrifices par rapport à nos ambitions. Les RMA qui, dans le futur, aimeraient bien être une cérémonie qui sera organisée dans tous les pays d'Afrique. Donc, on continue de faire des sacrifices de toutes les façons. Pour peut-être prolonger la question du siège, quelles ont été les principales difficultés rencontrées? Bon, les grandes difficultés, il y a d'abord la difficulté financière. Ça n'a pas été évident. Parce que pour une première édition qu'on organise dans un espace comme la place Saint-Josué, Dieu seul sait combien elle vaut le coup. Deuxième édition, pareil. Troisième édition au Djoga Palace. Quatrième édition au Djoga Palace. Et avec tout ce qui va avec, ce n'est pas évident. Surtout quand on n'a pas un soutien financier du ministère de tutelle. Donc, il a fallu avoir... Il y a cette difficulté financière. Mais il y a aussi l'une des plus grandes difficultés, il y a aussi le management du personnel. C'est pas toujours évident, surtout quand on travaille avec des personnes qui travaillent entre guillemets de façon bénévole. Donc c'est pas évident de les inculquer un certain nombre de valeurs qu'il faudrait qu'elles intègrent, ces personnes. Donc je pense pour les RMA, ce sont les deux principales difficultés, mais on parvient toujours à tenir le coup. Il faut faire preuve d'un charisme énorme pour s'imposer. Donc, ce sont les deux principales difficultés qu'on a eu à faire face. Et aussi, j'allais oublier, là, il y a aussi le crédit.
Au début de l'initiative, il était très difficile que les entreprises nous fassent confiance. Bon, au fur et à mesure, notre professionnalisme, notre façon d'organiser des choses, même les artistes, musiciens au départ, c'était pas évident, mais la façon de faire les choses ont permis que l'événement, que cette difficulté devienne de plus en plus, la marge diminue en tout cas. Jeune Entrepreneur est une émission qui est consacrée à l'entrepreneuriat jeune. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, après le parcours déjà effectué jusqu'à présent, vous pouvez conseiller aux jeunes qui nous regardent et qui souhaiteraient se lancer dans l'événementiel de s'y lancer sans vraiment de financement? Oui, c'est possible, mais c'est très difficile. C'est possible, mais c'est très très difficile. De toutes façons, il faudra un minimum. Un minimum, il faudra un minimum. Mais comme on dit souvent, quand on a des grandes idées, il est fort possible qu'on ait du soutien financier. Tout dépend déjà d'avoir le courage et la volonté. Si on a le courage et la volonté, alors on peut tout faire. Parce que je me rappelle à la première édition, lui qui a été mon étudiant, ben vous-même d'ailleurs, qui a été mon étudiant en communication, je me rappelle bien comment à la première édition, quand on avait appris le coût qu'il fallait payer pour la place Saint-Joseph et vu la modicité des moyens financiers, ça n'avait pas été quelque chose d'évident. Surtout que courage, on peut même vous donner les moyens financiers, mais il faut le courage et la volonté parce qu'il y a des personnes qui vont vous... Il faut faire face à l'adversité familiale, l'adversité amicale, tout ça. Il y a des personnes qui vont vous décourager, tout ça. Vous pouvez avoir des moyens. Ils vous donneront même peut-être des moyens, juste une façon, comme une sorte de... comment on dit ça? Donc, ils sentent que, bon, il faut qu'ils vous aident parce que vous êtes un frère. Familial. Oui, donc, ce n'est pas forcément parce qu'ils vous encouragent. Parce qu'ils croient au projet. Ils croient au projet, voilà. Mm-hmm. Donc, pour vous donner cet argent, on peut vous apporter du soutien financier. Mais la première des choses, c'est le courage. Le courage et la volonté. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est vrai, j'allais demander quelle était votre source de motivation. Parce que dans de telles initiatives, parfois, on a l'envie de tout lâcher. Un matin, on se réveille, on dit, bon, pourquoi je m'y engage? Il arrive des moments où on est à bout. Oui. Bon, c'est vrai que moi, je suis d'abord quelqu'un d'extrêmement déterminé pour ceux qui me côtoient. Donc, vous pouvez être même sans si moi, j'ai mon idée. Et je peux faire face à toutes vos idées. Donc, je n'ai pas... C'est pas que je n'écoute pas, j'écoute suffisamment. Mais quand je pense que je suis dans la logique, il est très difficile de m'enlever cela dans la tête. Donc, il y a ça. Je crois que c'était la question, c'était encore quoi? De votre truc de motivation. Oui, donc, il y a ça et l'envie de devenir le meilleur. Ça, je suis extrêmement rigoureux. Extrêmement. Ceux qui me côtoient le savent. Que ce soit dans tout ce que je fais, j'ai une charte de vie très, très dure. Très stricte. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça. L'envie d'être meilleur que tout le monde. J'aimerais prolonger la question du siège. Pensez-vous que les jeunes Camerounais osent assez? Bon, de façon générale, de mon point de vue, pas. Bon, ils prennent pour excuse le contexte qui n'est pas favorable, c'est monté, c'est descendu. Moi, je rappelle aux uns aux autres. Moi, si mes parents, des gens de ma famille m'écoutent actuellement, ils sauront. Moi, j'ai refusé d'aller, par exemple, à l'étranger. Par exemple, après avoir obtenu mon master, bon, c'est vrai, j'ai eu, après une licence professionnelle, j'ai voulu faire un master en Allemagne. Bon, ça n'a pas donné. Et puis la London School of Commerce, ça n'a pas donné. Et après, quand j'ai obtenu finalement le master au Cameroun, bon, j'avais maintenant les possibilités de faire un autre master à London School of Commerce. Mm-hmm. Et ça valait près de 8 millions de francs CFA, un peu plus même. Et la famille était prête, hein. Et moi j'ai dit non, moi je pense qu'on me donne 4 millions et puis je lance une agence de communication. Bon, vu que j'étais très jeune et puis on estimait que je pouvais pas et tout, c'est comme ça que bon, moi j'ai décidé j'ai dit ok, moi je vais suivre mes rêves. Donc, pourtant, je suis pas d'une famille très aisée. Qu'on peut dire que peut-être ton père est directeur général ou ta mère est ministre et tout ça, non. Donc, c'est un peu ça. Il faut les jeunes de plus en plus. Je pense que très peu sont ceux qui aiment ce qu'ils font. Très peu sont ceux qui aiment ce qu'ils font. Vous allez voir d'ailleurs. J'étais tout à l'heure encore sur Facebook et sur une page, sur un site en ligne. On diffusait une image des jeunes en train de boire
sur leur table, les bouteilles de bière étaient énormes. Donc, vous voyez, certains disent que c'est pour noyer les soucis, mais je pense que on peut bon, je pense que les jeunes devraient de plus en plus prendre conscience que c'est justement quand c'est difficile qu'il faut beaucoup réfléchir. C'est ça, en fait. C'est quand vous avez justement beaucoup de difficultés que vous allez mieux réfléchir. Mais si vous vous dites, bon, ah, ça ne sert à rien, c'est vraiment pas... Les jeunes au Cameroun, très peu sont ceux qui osent. Mais c'est aussi pas de la faute des jeunes. Ça, il faut aussi le reconnaître. C'est pas aussi de la faute des jeunes. Ça veut dire que le contexte doit être amélioré. On doit encourager les jeunes. Donc, c'est dans des pareilles initiatives. Moi, je pense, quand je prends le cas, par exemple, de votre émission entre jeunes entrepreneurs. Au début, c'était une petite idée, mais je pense, quand j'observe la façon dont vous faites des choses, je me rends compte que le projet évolue. Voilà une émission, par exemple, que les sponsors devraient griffer leur image. Parce que c'est une émission à caractère satirodidactique. Vous parlez des choses qui peuvent... derrière votre émission, il y a peut-être certains jeunes qui peuvent se sentir intéressés, changer leur mentalité, changer leur comportement du négatif au positif. Mais rassurez-vous, on ne va pas vous venir en aide comme ça facilement. Parce que c'est comme ça le Cameroun. Mais maintenant, quand vous serez... Quand la notoriété de l'émission va grandir, vous allez voir, c'est tout le monde qui viendra vous soutenir. Donc, ça veut dire, connaissant déjà ce système, autant mieux d'abord souffrir et en attendant avoir une lueur d'espoir. Et certainement, les choses vont aller dans le futur, dont les jeunes devraient de plus en plus travailler. Voilà. Pour sortir peut-être de cette première partie, j'aimerais vous poser une question peut-être satirique. Si on revenait quelques années en arrière, on vous demandait de faire un choix entre l'entrepreneuriat que vous faites aujourd'hui et peut-être, je ne sais pas, fonctionnaire. Quel choix feriez-vous? Fonctionnaire d'État. Parce que sur fonctionnaire d'État, non, vraiment, je ne pense pas qu'un fonctionnaire d'État me vale. Je serais forcément toujours, je vais choisir l'entrepreneuriat. Et surtout, même sur le plan fonctionnariat, bon, je travaille dans plusieurs structures. Je suis salarié maintenant. Et je suis sûr que c'est mon entrepreneuriat qui me permet aujourd'hui d'asseoir une certaine autorité. Je prends par exemple dans le monde de l'enseignement universitaire en communication, je fais partie quand même des personnes ressources dans le domaine de la communication, les matières de spécialité. Et dans les meilleures écoles au Cameroun, à Yaoundé. Pas besoin de les citer ici. Donc vous-même, vous en savez, c'est tout pas... Oui, donc s'il fallait, j'allais toujours faire le même choix. Voilà, madame, monsieur, il s'appelle Jérémy Lafortune Feuque. Le temps pour nous de prendre une autre rubrique de cette émission et on revient juste après. De retour sur ce plateau de l'émission Jeune Entrepreneur, nous allons prendre actuellement la minute développement personnel et motivation. Nous allons à la rencontre d'Isaac Mukasa, ce Congolais de nationalité et d'origine qui évolue du côté des États-Unis. On regarde et on revient juste après. Thank you.
did you find? Nothing really, just stuff. Except I found this paper with someone's name on it, and there was... Tu ne peux pas changer ce qui t'est arrivé dans le passé, mais tu peux faire aujourd'hui des choses qui influenceraient activement ce qui t'arriverait dans le futur. Les conditions dans lesquelles tu es né font partie de ton passé. Les difficultés que tu as connues, la précarité dans laquelle tu as peut-être grandi. Mais tu as le pouvoir de te positionner aujourd'hui de sorte à avoir un avenir complètement différent. Vous ne pouvez peut-être pas changer ce qui vous est arrivé. Vous n'avez peut-être aucune influence sur ces choses passées. Peu importe ce qui vous est arrivé dans les 5 dernières années. Peu importe ce qui vous est arrivé dans les 10 dernières années. Vous pouvez aujourd'hui prendre une décision qui changerait complètement votre avenir. Investis dans ton avenir et mets-y le temps qu'il faut. Ne reste pas immobile comme tout le monde, figé comme un arbre, te plaignant sur les mêmes problèmes socio-économiques, les mêmes politiques de bureau, les mêmes difficultés conjugales. Tu ne peux pas aujourd'hui avoir les mêmes problèmes que tu avais il y a 5 ans. Tu ne peux pas être la même personne que tu étais il y a 4 ans. Quelque chose doit changer dans ta vie. Je crois en vous, mes amis. Je crois à l'Afrique. Je crois au peuple afro-descendant et à tout ce peuple du monde qui nous aime et nous soutient. Nous avons tous besoin de quelqu'un pour nous booster à aller de l'avant. Nous avons tous besoin d'une personne qui nous influence positivement. Et j'ai la ferme conviction que si vous écoutez ces paroles et vous y appliquez activement, vous verrez progressivement un changement radical dans votre vie. Écoutez, vous êtes peut-être né pauvre, dans la misère ou la précarité, mais vous n'avez pas été créé pour mourir pauvre. Le bonheur n'est pas un principe obscur ou ésotérique réservé à un groupe de privilégiés. Vous avez droit à votre part de cette grosse tarte, à votre morceau de bonheur, ici sur Terre. N'acceptez pas la misère, le malheur, sous prétexte que vous vivrez le bonheur au paradis. Écoutez, la définition simplifiée de l'âge adulte, c'est la responsabilité. Quand vous devenez adulte, on ne vous change plus vos couches. Vous n'en mettez plus, je suppose. On ne vous demande plus de brosser vos dents le matin et le soir. Vous avez conscience que c'est fondamental à votre bien-être. Quand vous devenez adulte, vous prenez responsabilité de votre futur. Vous ne pleurnichez plus pour qu'on vous change vos couches. Vous n'en portez plus, je suppose. Ça ne sert à rien de crier parce que les membres de votre famille n'ont pas soutenu votre projet. Ça ne sert à rien de vous lapider, de vous crucifier parce qu'un homme vous a abandonné avec les enfants. Les enfants. La définition de l'âge adulte, c'est la responsabilité. La maturité, c'est d'abord la responsabilité. Prenez charge de votre vie. Prenez les serres de votre avenir. Vous pouvez trouver des mots sophistiqués pour vous plaindre de la kleptocratie que compose votre classe politique et ses actes paupérisants. Mais cela n'émettra pas des ignames sur votre table. Vous attendiez peut-être de l'aide venant d'une personne qui finalement n'a pas réagi. Et vous vous sentez brisé, abandonné, trahi. Prenez charge de votre vie. Vous êtes peut-être né dans des difficultés. Et des choses horribles vous sont peut-être arrivées. Mais vous n'êtes pas obligé d'y demeurer. Un matin orageux, sous le son d'un vent menaçant, le Créateur vous a créé. Ne restez pas immobile, subissant coups et blessures que la vie vous afflige. Vous n'êtes pas le fruit d'un hasard. Vous êtes peut-être le fruit d'un hasard parental, mais pas le fruit d'un hasard divin. Le Créateur a créé avec vous les provisions nécessaires pour faire de vous une figure emblématique, un être remarquable, un monument, mais vous avez accepté d'être un figurant. Prenez charge de votre vie. Quels sont les outils que vous avez? Quelles sont les armes de lutte que vous avez? Il est peut-être temps de les essuyer. Vous n'avez pas été créé pour pleurer, crier, pleurnicher comme tout le monde. Il est peut-être temps de se lever et se battre pour sa vie. Servez-vous de ce que le Créateur vous a légué pour vous distinguer. Nourrissez votre esprit des choses positives, de la bonne lecture, des documentaires constructifs. Faites de recherches dans votre secteur d'activité, enrichissez votre esprit et dominez votre domaine. Ne soyez pas un artiste moyen qu'on peut trouver n'importe où, soyez extraordinaire. Ne soyez pas un ingénieur qu'on peut remplacer sans regret, enrichissez vos capacités.
Vous êtes intelligent et personne ne vous accorde une chance. Allez sur YouTube, faites des vidéos et faites découvrir au monde ce que vous êtes. Vous avez une belle plume, écrivez des articles. Faites un blog, faites découvrir au monde de quoi vous êtes capable. Ne soyez pas de ces femmes aigries qui ne sont que sur internet pour corriger les fautes d'orthographe des gens pendant qu'elles n'écrivent absolument rien de leur existence. Vous avez des bonnes relations humaines, une bonne capacité de communication. Faites l'intermédiaire entre les organisations et les demandeurs d'emploi. C'est gratuit sur internet. Il ne suffit pas de prier ou de jeûner pour que votre vie change. Pendant que vous luttez, pendant que vous crapahutez dans les terrains les plus inhospitaliers de la vie, sachez que vous êtes l'acteur principal de votre vie. Prenez responsabilité, prenez charge de votre vie. Le temps est l'une des choses les plus précieuses de la vie. Notre temps est limité. Ne gaspillez pas votre temps dans l'improductivité. Observez soigneusement votre temps. Servez-vous-en avec acuité. Introduisez quelque chose de nouveau chaque jour, un nouveau mot productif, une nouvelle formule de vie, une nouvelle façon de faire de l'argent. Écoutez, les gens autour de vous ne sont pas là pour vous rendre heureux. Chacun est là pour son compte. Lutter, suer, saigner s'il le faut, mais remporter la victoire. Ma stratégie against Brian Collette. Mon nom est Isaac Mukasa. Ah, de retour sur ce plateau après cette magnifique vidéo d'Isaac Mukasa. Je vais directement relancer notre invité. Quelque chose à dire par rapport à cet extrait? Justement, c'est très motivant et c'est très intéressant qu'il y ait des Africains qui pensent ici. Parce qu'en Afrique, on se dit que le paradis, c'est de l'autre côté. On se dit que... Moi, en fait, ce qui m'intéresse dans ce qu'il vient de dire, c'est la partie où il dit... que si vous êtes la nature a voulu que vous soyez pauvre, vous devez sortir de cet état. Donc ça doit être plutôt une source de motivation. Celui qui est né riche ne doit pas autant réfléchir que celui qui est né pauvre. Ça, c'est effectivement de la vie. Et parmi justement les phrases qui m'ont souvent marqué dans mon existence, c'est notamment la phrase de Steve Jobs qui dit si vous naissez pauvre, c'est pas de votre faute, mais si vous mourrez pauvre, c'est de votre faute. Donc quand on a ce genre de langage qui certainement est motivant, il faudrait davantage travailler. Quel que soit le domaine dans lequel vous faites, il faut le faire à une façon. Il faut faire la différence. Parce que c'est la différence qui attire les regards. Si vous faites comme tout le monde, vous allez passer inaperçu. Donc, je pense que les téléspectatrices et téléspectateurs qui ont écouté ces propos de notre confrère africain, certainement ça va booster le moral d'aucun qui pense que tout est déjà terminé pour eux. Voilà, ceux qui ont déjà plongé dans la négativité. Serge Mbembe, quelque chose à dire? C'est vrai que c'est un extrait vraiment très touchant, très motivant, comme le prof, l'animateur l'a dit. Moi simplement j'ai été marqué par trois expressions dans cet extrait qui m'ont vraiment touché. Premièrement, il dit tu ne peux pas être la même personne qu'il y a 2 ans. Ça veut dire, ça rejoint un peu le professeur Jérémy Feuque, si il y a de cela 2 ans, vous étiez une tierce personne, peut-être un pousseur, demain ou après-demain, 4 après ce pousser, c'est parce que vous avez décidé d'être poussé à vie. Moi, je pense en fait. Parce que si vous prenez dans l'optique des RMA, j'ai dit comme ça, vous avez poussé pendant 2 ans, vous avez connu. J'ai dit, bon, j'ai eu le pouce, mais il me faut une voiture de transport. La chute avec des revenus, c'est un peu ça. Et plusieurs personnes s'attellent simplement à faire ce qu'ils ont eu à faire. À se contenter. Ce qui est du peu qu'ils ont. Justement, c'est ça qui est vraiment gênant. La plupart des gens travaillent juste pour satisfaire les besoins physiologiques. J'allais ranger en disant l'autre partie qui m'a encore plus, ne pas attendre l'aide venant d'ailleurs pour évoluer. C'est le problème que les jeunes ont actuellement. Lorsqu'on a un projet, on attend d'abord que l'État finance ou alors que maman et papa accordent du crédit, assez donne un peu d'argent, sans toutefois avoir prévu une somme dans la poche. Et moi, je pense qu'avec déjà quelque chose dans la poche, et puis l'aide ne vient pas d'à côté, on peut quand même se lancer et aller de crescendo, step by step, et puis dans 2 ans, on pourra atteindre son objectif. Et surtout, rappeler qu'avant même... C'est difficile, justement. Savoir qu'on peut commencer. Et pour dire même que pour financer un projet, il faudrait que vous ayez commencé. Voilà, il faudrait vraiment
vraiment commencer, parce que on ne va pas, le projet, si on ne le matérialise pas, il est difficile que les gens nous croient. Exactement. La question, c'est souvent, qu'est-ce que tu as déjà eu à faire toi-même? J'allais chuter avec la dernière partie, mais pas un artiste qu'on peut retrouver partout. En fait, il faut se vendre. C'est vrai que cette partie me fait beaucoup penser au professeur, à Jérémy Fugue, qui me l'a déjà dit plusieurs fois. Une personne qui veut se donner du crédit ne doit pas être partout. Elle ne doit pas faire des choses où tout le monde se trouve. On doit chercher, quand vous êtes quelqu'un, quand vous voulez vous donner du crédit, on doit vous chercher. Vous allez faire la différence, marquer la différence. Tout à fait. Même s'il y a un rendez-vous des animateurs, alors ils boivent peut-être le bouillon tous les matins, ils se glissent quelques bières à la portée de tout le monde, vous pouvez dire non. Moi, je vais aller faire pour moi, vous, on ne peut pas me regarder. Okay. Comme ça, la différence vient petit à petit. Justement, parce que parfois, je rencontre certains confrères et ils sont surpris comment on peut vous donner 300 000, 400 000 pour vous en faire marrer. Parfois, on leur dit tous, ils disent, moi, vraiment, c'est 50 000, je présente et tout. Moi, vraiment, il faut savoir se vendre. Il faut savoir se vendre, quel que soit le domaine, ouais. Que ce soit intellectuel ou pas. D'ailleurs, l'école même, comme le disait toujours Stylo, l'école n'est pas faite pour les... L'école, on ne devient pas riche forcément. Avec l'école. Hein? Pourquoi? Parce que l'école ne forme pas les riches, parce que l'école forme les employés. Mm-hmm. Et ceux qui ont les moyens, ce sont les employeurs. Mm-hmm. C'est un peu ça. Vous allez vous rendre compte que moi, j'ai toujours cette question que je pose à mes étudiants en première année, deuxième année. Je leur demande toujours, est-ce que vous aimeriez être dans la vie demain? Beaucoup, hein? Je veux être responsable de la communication Orange Cameroun. Je veux être responsable de la communication SADC. Je veux être directeur de la communication au ministère de la communication. Donc, vous voyez, pour la plupart, c'est avoir, être accompli veut dire être responsable du métier dans lequel vous faites, dans une entreprise. Pourtant, c'est le directeur, c'est le PDG qui est riche, c'est déjà jamais riche. Vous aurez beau être à Orange, Cameroun, Cellcom, mais à un moment, puisque avec des chefs de besoins d'Abraham Maslow, il y aura d'autres besoins qu'il faudra franchir que vous n'aurez pas. Donc, c'est un peu ça. Donc, cherchez plutôt à être entrepreneur. Pas un homme d'affaires, un entrepreneur. Parce que les gens sont en compte d'affaires. Et un entrepreneur, exactement. Peut-être pour la gouverne de ceux qui nous regardent, un homme d'affaires, c'est celui qui recherche ses intérêts immédiats. Alors qu'un entrepreneur, c'est celui qui a une vision. Qui pense. Dans le long terme. Je prends un exemple pour illustrer cela. Alors, vous lancez une activité sur le coup, si ça ne vous rapporte rien, là, présentement, vous dites, ok, ça veut dire que ce n'est pas rentable. Pourtant, un entrepreneur, il voit plus loin. L'idée, ce n'est pas peut-être rentable aujourd'hui, mais est-ce que ça peut être rentable dans 2 ans, dans 3 ans, il fait un business plan. C'est ça, en fait, un entrepreneur. Voilà. Dans cette deuxième partie d'émission, on parlera de l'importance de la communication pour des jeunes entreprises et start-up. Vous êtes expert en communication des organisations. Déjà, pour introduire le sujet, quel regard jetez-vous sur la communication des start-up au Cameroun? La communication des organisations, c'est un domaine un peu complexe. On ne s'aventure pas à l'intérieur comme cela. Maintenant, il faut quand même... Cette question nous permet de poser notre question. La communication est-elle un coût ou alors un investissement? Exactement. La communication est-elle un coût ou un investissement? Certainement, c'est la question que beaucoup de start-up et pour la réponse de plusieurs, c'est que la communication est un coût. Mais la communication peut être un coût tout comme elle peut être un investissement. Si vous mettez en place une bonne stratégie de communication, elle sera un investissement. Mais maintenant, si vous ne mettez pas en place une très bonne stratégie de communication, elle sera un coût. Tout dépend des outils qu'on utilise. Parce qu'il y a la communication média et il y a la communication hors média. Donc, je ne sais pas s'il faut entrer directement. Oui. D'accord. Non, non. Pour une start-up, il n'est pas très conseillé de passer dans la stratégie de communication, de mettre un accent fort sur la communication ATL, above the line, c'est-à-dire média. Parce que les médias, ça coûte très cher. La communication média coûte cher. Pour diffuser un spot de 30 secondes dans les médias, il faut s'armer d'au moins 200 000 francs CFA.
voir un peu plus et en prime time. Donc, ça, parfois, ça ne sert à rien. On est d'accord. Pourquoi? Parce qu'on n'en a pas assez. Maintenant, on peut avoir d'autres canaux de communication qui sient avec notre niveau d'entreprise. Une communication hors médias, c'est-à-dire, on peut réaliser les dépliants, on peut aller même sur le net, par exemple, passer par la communication en ligne, digitale, qui de plus en plus prend de l'ampleur en créant des groupes. Le groupe WhatsApp, sur Facebook, les pages sponsorisées, on peut facilement se faire un carnet d'adresses à travers le média en ligne. Il y a tellement de, même dans, et tout dépend du secteur dans lequel on évolue. Moi, il y a des je suis dans plusieurs groupes, il y a des groupes de restaurants, par exemple. Il y a des restaurants qui sont célèbres, qui n'ont jamais passé une communication à la télévision ou à la radio. Donc, c'est un problème de stratégie, en tout cas. Et quand on parle de stratégie, il faut trouver des gens qui maîtrisent la communication. Parce qu'on peut être animateur, mais on n'est pas forcément... Communicateur. Colo. Je préfère rester comicolo. Ouais. Comicolo. Effectivement. Donc, c'est tout ça. C'est vrai que sur cette lancée, j'allais te demander, est-ce qu'un journaliste peut faire le travail d'un comicolo? Non. Parce que les entreprises aiment faire recours aux journalistes. Aux journalistes, oui. Sauf si ce journaliste a d'autres capacités communicationnelles. Le journaliste n'est pas un communicologue. C'est un communicateur. Ou un communicant. C'est un communicateur comme tout le monde. Parce que ce soit planteur, boutiquier, je ne sais pas, tout le monde sont des communicants. Un communicateur, c'est celui qui transmet un message. Maintenant, un spécialiste de la communication, c'est celui qui se propose d'accroître la notoriété de l'entreprise, de mettre en place des stratégies qui vont permettre de promouvoir l'image de l'entreprise et de vendre. Faire connaître, faire aimer, faire agir la cible. C'est ça la communication. Maintenant, il y a les stratégies, il y a les moyens, il y a les outils, il y a les techniques. Et ça, il faut être un spécialiste de la communication des organisations pour véritablement s'en sortir en utilisant d'autres moyens comme la publicité, le marketing direct, la PPLV et tous les autres moyens de communication qui constituent le mix de communication. Oui. Est-ce que le problème aujourd'hui pour les startups ou les jeunes entreprises qui ne communiquent pas ou qui ne font pas appel aux communicologues, voilà, aux communicants. De ce plateau parce que le communicant c'est quelqu'un qui a fait les études en communication et qui pratique. Le communicologue c'est celui qui a fait les études en communication en tout cas. Et maintenant le communicateur c'est tout le monde. Voilà. Est-ce que le fait de ne pas faire appel à ces personnes ressources-là ne vient pas forcément sur du coup? Pas peut-être le problème du coup. Le problème du coup. Oui. Oui, il y a un problème de coût, mais je pense que quand on veut, si on se comporte comme un homme d'affaires, on trouvera que c'est un coût. Mais si on se comporte comme un entrepreneur, on trouvera que c'est un investissement. Directement, moi j'ai une question. Pourquoi les jeunes startups, je veux dire, n'aime presque pas communiquer. Parce qu'il doit y avoir un problème. Non, en fait, il ne faut pas dire n'aime presque pas communiquer. Parce qu'en réalité, toutes les entreprises communiquent. D'une manière ou d'une autre. Toutes les entreprises communiquent. Mais maintenant, beaucoup d'entreprises communiquent de façon insuffisante. La communication n'est pas suffisante. Donc, beaucoup d'entreprises, parce que le simple fait de mettre un fronton, par exemple, sur devant de votre, en haut, de votre entreprise, support de communication. Mais maintenant, beaucoup d'entreprises ne communiquent pas suffisamment. Même les grandes entreprises, pas seulement les start-up. Ou alors, communiquent mal. Communiquer mal, peut-être parce qu'on a vu un animateur, on dit, bon, voilà, c'est ce qui se passe souvent. Je suis aussi par ailleurs animateur, donc c'est pas ce que je voudrais jeter la pierre aux animateurs. On dit, bon, voilà, vraiment, fais-moi un spot là, fais-moi un spot rapidement là. On lui dit, donne-moi 50 000. Il fait le spot. Ça ne peut pas ressembler à, ça ne peut pas ressembler à un vrai spot. On a des publicités ici qui ne ressemblent à rien. Ça n'aura pas d'effet. Pour entrer dans la théorie des effets, ça n'aura pas d'effet. Ou parce que il y a tout un processus pour faire un spot, que ce soit radio ou télé. Il y a une stratégie. Quelle est la promesse qu'on voudrait donner au public, au consommateur? Qu'est-ce qui justifie cette promesse? Pour qu'elle ne semble pas être vaine.
quel est le ton qu'on voudrait, le ton vocal, le ton couleur, le ton vocal. Il y a des, on, la façon de poser la voix sur un spot d'un produit de luxe n'est pas pareil. Sur un produit de masse, de haut de gamme, de bas de gamme. Il y a tout ça, tous ces mécanismes-là, il faut maîtriser. Même le slogan. Il y a des gens, on vous trouve ce soir-là. Aujourd'hui, ils vous sortent un spot. Aujourd'hui, moi, je vous dis, il y a des entreprises, on a 100 000. Il dit, bon, donne-moi 200 000, je te fais le spot. Et puis, le chef d'entreprise dit, non, vraiment, 200 000, je n'ai pas l'argent. Et voilà, j'ai 5 000, il dit, non, vraiment, donne 75 000. Il se retrouve là, il commence à écrire. Papa, ton ampoule a fait la boîte. Papa, il écrit. Oui, et puis, mon, allez, comme il y a les studios ici, mes gens, on vient. Allez, je crois que Bouembe là pose souvent bien la voix. Bouembe, tu es où? Viens. Voilà 5000, pose la voix. Les studios, le produit est sorti. Bam! Demain, 10h, il vient. Il a derrière le spot. Mais vraiment, ça c'est du n'importe quoi. Pourquoi c'est pas possible? C'est pas possible justement parce que. Là, c'est de la créa. Pour faire un bon slogan, on peut écrire 50. Pour faire un bon slogan, on peut prendre un cahier de 32 pages pour sortir un bon slogan. Quand on veut faire des choses sérieuses, il faut trouver des personnes sérieuses, il faut prendre du temps. Les bonnes choses prennent du temps. On ne peut pas. Du coup, il faut avoir déjà un certain niveau dans le métier. Et même avec un certain niveau dans le métier, vous ne pouvez pas faire un spot, par exemple, en une journée. Même une semaine, ce n'est pas évident. Peu importe la durée du spot, que ce soit... J'ai dit même si c'est 15 secondes. Voilà. J'aimerais... Parce qu'il faut rechercher la perfection. Voilà. Il faut être sûr. Il y a ce qu'on appelle les formes de test. Ça veut dire quoi? Il faut prendre, faire 1, 2, 3 exemplaires, proposer aux gens. Proposer aux gens. De ces trois, qu'est-ce qui vous aguiche le plus? Je suis plus aguiché par celui-ci. Je suis plus aguiché par cela. Et celui qui va obtenir le plus grand nombre de suffrages, on est sûr que si on le diffuse, il va approuver l'assentiment des consommateurs. Vous voyez, c'est tout un processus. Et cela ne vient toujours, ne vient pas parfois des entreprises qui vous proposent, qui vous demandent le spot, la pression aussi. Mais non, si vous êtes professionnel... Est-ce qu'on doit donc faire, quand on veut faire des choses, mais on n'a pas fait de façon... Parce qu'il y a plusieurs fois, c'est arrivé, le communicateur d'une entreprise a reçu de l'argent, il a perdu le temps, maintenant il est buté par les délais. Il appelle, il se fait une personne. Tu réponds? Voilà. L'entreprise le vire, puisque il faut les retours sur investissement. L'entreprise le vire. Et ça, c'est vraiment, la communication, c'est un autre métier. Il y a beaucoup d'aventuriers, énormément d'aventuriers. Voilà, j'aimerais vous relancer directement avec une question. La communication est-elle importante, primordiale, je vais même le dire comme ça, pour une jeune entreprise ou pour une start-up? Bien sûr, elle est très primordiale justement pour une jeune entreprise parce que la communication a trois objectifs, faire connaître, faire aimer, faire agir. Donc si vous voulez vous faire connaître, il faut forcément communiquer, sinon les gens ne vous connaîtront jamais. Et pour revenir à la Marseille qui dit, si vous ne dites pas ce que fait votre entreprise, les gens vont tout faire dire ce qu'elle n'est pas, ou elles ne sauront pas, exactement. Les gens ne sauront pas qu'elle existe. Il faut communiquer pour exister. Communiquer, c'est exister. Donc, c'est très important. Maintenant, j'ai dit précédemment, on peut maintenant communiquer par d'autres canaux autres que les classiques, comme en passant par les médias traditionnels. On peut se passer de là parce qu'on n'aura pas suffisamment d'argent. Parce que même une chaîne de télévision comme Emergence TV, c'est pas évident de venir communiquer pour une start-up dans une télévision comme Emergence TV, a fortiori. Celles qui sont un peu plus grandes, comme c'est la CRTV ou Canal 2 international, ce ne sera pas évident pour une start-up. Et je suis souvent, désagréablement surpris pour certaines jeunes start-up. Vous avez un budget de communication, il a 250 000. Il part communiquer à une émission d'une chaîne de télévision que je vous fais terminer, qui passe le dimanche entre 13h. Il donne pratiquement 250 000 pour s'asseoir et parler. Et puis, il n'y a rien du tout qui suit. Et il va se dire que c'est parce que qu'il a communiqué dans telle émission, mais en réalité, c'est faux. Ça ne sert à rien. 250 000, vous prenez les 250 000, vous pouvez sponsoriser déjà votre page en ligne avec, je crois 50 000 francs. Avec les autres 200 000, je préfère que vous réalisez
Vous réalisez Les dépliants, les prospectus, les tracts, les prospectus, je peux faire les flyers, ou alors vous pouvez même laisser les flyers. Si vous voulez même faire une communication média, vous partez à la radio, une radio sérieuse, très bien écoutée, qui a une bonne audience. Vous payez avec les 200 000 là, vous payez même 3 mois de spot. C'est plus efficace que de passer faire 2 à 5 minutes dans une seule émission et 250 000. Pourquoi? Parce qu'on n'allait pas marquer le fait, on ne vous connaît pas. La communication média est bonne pour les entreprises qui sont déjà connues. Celles qui ne sont pas connues risqueraient de faire, sauf si c'est une grande entreprise. Parce que si c'est une grande entreprise, il est fort possible que, bon, il y a suffisamment de moyens. Et le budget de communication dans les grandes entreprises représente très souvent 10% l'année. Donc, la communication est importante, très importante même pour les jeunes start-up, mais il faut savoir s'y prendre. Il faut savoir s'y prendre. Et savoir s'y prendre, forcément, c'est appeler un spécialiste, pas un journaliste. Sauf si ce journaliste a des capacités, parce qu'il y a des journalistes qui ont une double casquette, en même temps qui sont communicologues et qui sont journalistes aussi. Il y a des gens qui ont plusieurs casquettes. Oui, si c'est le cas, tant mieux. Ou alors, quelle que soit la personne, mais qui maîtrise au moins la communication. Ce n'est pas forcément dit, moi je ne suis pas pour ceux qui pensent que c'est forcément quand on va à l'école qu'on est une référence, non. Mais si on a la maîtrise du domaine, qu'on soit autodidacte ou alors académicien, mais si l'objectif peut être atteint, c'est une bonne chose. Voilà. Madame, monsieur, nous allons prendre une nouvelle rubrique de cette émission. Il s'agit du carnet des offres d'emploi et de stage, juste après la transition. De retour dans ce studio d'Emergence Télévision, je me retourne vers Serge, le carnet des offres d'emploi et stages de la semaine. Qu'est-ce que tu as au menu? Oui, c'est vrai que nous avons, comme d'habitude, les offres FNE, qui est un potentiel partenaire à l'émission. Entrepreneur. Alors, je vais simplement présenter les offres d'emploi de cette semaine. Nous avons recherche enseignant en développement d'applications. Les tâches à effectuer, c'est simplement préparation et dispenser des cours, évaluation des apprenants et correction. Le deadline est prévu pour le 30 août 2018. Et je rappelle encore, pour toutes ces offres, il suffira simplement de faire une lettre de motivation accompagnée de votre CV et aller déposer au FNE. Ce sont les offres FNE Yaoundé ou FNE Yaoundé du côté de Fouda, quartier Fouda, de ce côté. Je poursuis donc avec recherche également d'un enseignant en marketing. Il devait être capable de préparer et dispenser les cours et évaluer également les étudiants. Deadline 30 août 2018 également. Également, nous continuons avec la recherche d'un brand designer. Il devait être capable de produire les designs. Délai de dépôt 31 décembre 2018. On poursuit avec la recherche des commerciaux capables de faire de la prospection. Également, vente et suivi de la clientèle. Le délai de dépôt de dossier fixé au 18 août 2018. On poursuit notre escapade des offres d'emploi avec la recherche des aides de soignants, soit deux. Ils doivent être capables de cerner l'état du patient consigné, les informations reçues dans le dossier médical et les organiser. Le délai est fixé au 27 août 2018. Et en puériculture, on recherche une puéricultrice qui devrait être capable de donner le bain, effectuer des activités d'éveil, nettoyer l'espace de travail, cuisiner chez quelqu'un. Délai 31 décembre 2018. On recherche également une secrétaire de direction, donc une femme, qui doit être capable d'assurer le secrétariat. Deadline, c'est le 30 septembre 2018. Ici, il faudra avoir une formation en secrétariat bureautique. Responsable marketing et commercial également recherché dans une entreprise de la place. Il devrait être capable de
coordonner le service marketing et commercial, élaborer les stratégies marketing pour l'atteinte des objectifs. Le deadline, c'est également le 25 décembre 2018. Un enseignant recherché doit être capable d'assurer l'encadrement et suivre les élèves en classe de première et terminale. Le délai fixé au 25 août 2018. Recherche des babysitters, aucun diplôme n'est requis. Ça va être capable de garder un bébé de 3 mois. Le deadline, c'est prévu pour le 15 août 2018. Et pour finir, on va suivre avec la recherche d'un dentiste dans un hôpital de la place. Il doit être capable de consulter les patients, suivre les patients ayant les maladies ou problèmes dentaires. Le deadline est fixé pour le 25 août 2018. Alors, chers téléspectateurs, pour ces offres, rendez-vous simplement du côté du FNE muni de votre CV et lettre de motivation et déposez tout simplement au niveau de la réception. Voilà, c'était la minute développement personnel et motivation. Merci vivement. Minute offre d'emploi. Oui, minute offre d'emploi et stage. Je suis encore là, dans le développement personnel. Je pense que c'est parce que ça m'a tellement marqué. Tout à fait. Cet extrait-là. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres offres en direct dans notre émission. On va sortir directement avec une dernière question car nous sommes pratiquement au thème de l'émission. Quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes qui hésitent à entreprendre? Alors, le conseil, je pense qu'on en a déjà suffisamment donné dans le cadre de cette émission, mais on doit retenir ceci: si vous associez volonté, courage, forcément, vous allez parvenir à un résultat. Donc, forcément, il y a des personnes qui vont vous décourager dans la famille, un peu partout. Mais quand vous savez ce que vous voulez, il faut vous donner les moyens pour y parvenir. Travailler dur, surtout dur, mais encore se faire confiance soi-même. Voilà. Serge, une dernière question. Une question à la main au professeur ou bien... Oui, oui, naturellement. Bon, c'est vrai qu'on a beaucoup échangé et là, vraiment... Pour ma gouverne, je suis déjà assez fourni. Je crois que les téléspectateurs également le sont. Et là, je vais sortir avec mon mot en disant simplement que nous incitons les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà un jeune qui s'est lancé dans le volet communicationnel. Et on parle comme ça de l'événementiel. Également. Où il s'en sort. Ça fait 4 ans. Ils sont en 4 ans. Si vous voyez cet événement et vous comparez avec ceux qui sont déjà à 10 ans, vous verrez que dans 10 ans, les RMA seront autre chose. Et pour finir, Yannick, c'est vrai que chaque fois que je parle avec les spectateurs, j'ai envie d'y rester. Hein. Bon, pour sortir également les jeunes, les start-up, il faut faire recours aux jeunes, bon, on va dire aux jeunes communicateurs pour que les coûts soient moindres. Mais ceux qui connaissent au moins la communication, qui sont des communicologues ou des communicants, parce que c'est ça. Et je vais simplement dire à tous ces téléspectateurs et téléspectatrices de nous retrouver tous les jours à la même heure. Voilà. Oui. Le même jour à la même heure, j'allais dire. Voilà, le même jour à la même heure. Monsieur Jérémy, faut que votre mot de fin. Il faut croire en soi. Il faut croire en soi. Mm-hmm. Merci déjà d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Madame, monsieur, c'est un plaisir d'être de vôtre ce soir. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne. D'ici là, portez-vous bien, surtout ne l'oubliez pas. Believe in your dream, believe in yourself, never give up. À la semaine prochaine.